بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أدد ما خلق الحمد لله ملا ما خلق الحمد لله أدد ما في السماوات وما في الارض الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا واشهد ان محمدا ابده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركاته مفرير فرير لوانج لرميرسيما Appartient aux vivants qui ne meurent pas, je nomme Allah le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'omniscient, l'omnipotent, le parfait dans son essence et dans tous ses actes. Nous le louons, j'atteste qu'il est donc le seul dit d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers, pour nous permettre de traverser ce monde sans nous perdre. Qu'il bénisse sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous faire l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, nous allons continuer, Incha'Allah, par la permission d'Allah et par une faveur d'Allah sur nous, cet, euh, cet épisode ou cette série sur ce bas monde. Ce bas monde, effectivement, comme l'a dit le Prophète dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui le juge bon. D'après un hadith dit par Abu Huraira, qu'Allah la grève, ce bamon est maudit, maudit est qu contient, est ce qu'il contient. N'est-ce pas que ce bamon est maudit, plus exactement, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc Allah nous compte parmi l'une des deux catégories et qu'Allah nous préserve de sa malédiction qui est le fait de l'éloignement de sa miséricorde. Nous sommes donc dans ce cinquième épisode de ce. Cet épisode, donc, si important qui est le bas-monde, comment le traverser, est un autre souci sans nous perdre. Nous avons vu que Allah, par miséricorde, a envoyé les messagers, il a envoyé conserver le livre, il a envoyé, il nous a mis sur la voie droite. On ne saurait le remercier pour cela et pour tous ses bienfaits, et tout bienfait vient de lui. Ensuite, il nous a permis, il nous a éclairé sur les obstacles, ce qui nous y attend, c'est les épreuves, c'est pourquoi il a créé ce bas-monde. Et la semaine dernière, nous avions... Vu comment s'y comporter Comment s'y comporter Pour éviter justement d'être perdu Et aujourd'hui si Allah le veut Allah nous a gardé une sourate Que vous connaissez certainement Et qui nous résume en fait Le cheminement à faire Allah jure par le temps Il est le seul à pouvoir jurer par ce qu'il veut Une sourate que nous connaissons presque tous Par le temps Il n'a la khusrin Il a amanu Wa aminu salihati Wa tawa Allah jure donc par, dans cette courte surat hein, par euh, le temps. Et il est le seul à jurer par ce qu'il veut parce que tout autre doit jurer par lui. C'est qui jure par autre que, le, que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous a béni, nous a euh, averti. C'est qui jure par autre que Allah, il a mécru ou il a associé à Allah. Parce que si je jure, ça veut dire que je prends un témoin, une chose qui est pour moi, est la chose la plus importante. Or Allah est au-dessus de tout par son être. Hein. Par ses noms et attributs dans tous ses actes. Il est incomparable, rien ne lui ressemble. Comment alors se jurer sur la tête de sa mère, ou jurer sur la tête de son enfant, ou jurer sur autre chose Ceci n'est pas permis dans l'islam. Ensuite, Allah jure par le temps. Certains, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque sinon le détail risque de nous perdre, ils disent que le temps c'est parce que c'est la chose la plus importante et on le verra d'ailleurs. Certains disent, non, on parle du Asr lui-même, c'est-à-dire que la prière de l'après-midi qu'on appelle le Asr, et le Prophète sallallahu alaihi wa a dit. Donc que le quand Allah dit ala salawat wa salatul la prière du milieu Allah dit et gardez préservez observez les prières surtout celles du milieu et le prophète alayhi wa sallam nous a appris que la prière du milieu c'est celle de Dhuha. Et il a dit également que celui qui rate sans excuse religieuse cette prière c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Donc, d'aucuns disent que quand je, Allah jure par Al-Asra, il jure par cette prière. D'autres disent non, il jure par le temps et combien il est important. Time is life, comme nous aimons le dire, et pas time is money, comme le disent les anglo-saxons. La prière, c'est de l'argent. Non, la prière est beaucoup plus. La prière est beaucoup plus puisque la prière, c'est la vie elle-même. La, la vie de ce bas monde, c'est le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le bénisse. Et donc, Allah jure Al-Asra. « L'homme est certes en perdition. Il n'a pas dit l'homme est perdu. L'homme est en perdition dans son chemin vers inéluctable, vers moi, vers la vie dernière, puisque nécessairement l'homme est un voyageur, comme nous l'avons vu la semaine dernière et que Karim, qu'Allah de bénisse, a choisi comme réel. En réalité, là 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 Soit dans ce bas monde, a dit le professeur Allah, quand il a pris... Ibn Amar, radiallahu par l'épaule, soit dans ce bas-monde comme un étranger ou comme un passant. Donc nous sommes tous en voyage. Allah dit la c'est-à-dire que depuis qu'il a commencé ce voyage avec sa naissance jusqu'à sa mort, puisque ce n'est qu'un un passage obligé, il est en perdition, il est il court le risque d'être perdu au Seigneur. Ya Allah, comment ne pas être perdu Et alors Allah, Allah nous donne les clés du succès dans ce bon monde, il dit il dit Le prétentieux, c'est celui qui pense se passer d'Allah, se pense de passer de la révélation, se pense se passer du messager d'Allah, se pense se passer d'autrui, et notamment le tout sachant, Allah, qui seul sait parce que c'est lui qui a créé amanu sauf ceux qui ont cru, et qui ont fait les bonnes œuvres, ceux qui s'enjoignent donc la vérité, on dit l'islam, ceux donc qui également s'enjoignent donc la patience. Commençons donc par ilal amanu la foi. Quand Allah décrit Subhanahu wa Ta'ala, celui qu'il a créé, comme il a tout créé, quand Allah décrit la vie de ce bon monde, qu'est-ce qu'il dit on l'a déjà vu, la sur la wa'taka thurun Sachez, surat 57 verset 20, sachez, oh vous qui êtes ignorant, Allah est le seul sachant, sachez que la vie de ce moment, bon n'est que jeu, divertissement, concurrence dans les biens et dans les enfants. Et il donne l'exemple.

Et ça, c'est le verset, donc, 20. Dans le verset 51, qu'est-ce qu'il dit Le verset qui suit, quand Allah nous dit, que c'est que la vie La vie de ce monde. Ce n'est que jouissance temporaire, ce n'est qu'amusement, ce n'est que divertissement, concurrence pour pas grand-chose et dans le verset qui suit, sabiqou, rentrer en concurrence, rentrer en concurrence pour obtenir l'agrément d'Allah. Marfeyratu min rabbiqum wa jannat, un paradis aussi vaste que le ciel et la terre préparé pour les, pieux, ou préparé plutôt pour, jannatin, que ardhu sana wa al ardh lil ladina amanu billahi wa rasuli, lil amanu billahi wa Préparé pour qui, pour ceux qui croient en Allah et à ses messagers. Donc ceci nous montre l'une des provisions indispensables. Le fait de croire à quoi C'est Cette vie n'est en réalité effectivement se réduit à un amusement et dans la conséquence l'insouciance, l'ingratitude. La conséquence c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa taala qui nous en préserve. Juste. Il nous avertit, il n'est pas obligé de nous avertir. Nous avons tous, comme nous le disons souvent, pris l'engagement devant Allah quand il nous a tiré des reins d'Adam. Verset 172 de la surah de 7, Al-Araf, de n'adorer que lui. Néanmoins, par miséricorde, il nous a envoyé ses messagers. Il nous a laissé le livre dont nous avons hérité. Il nous a donné une raison, il nous a donné un cœur pour ressentir, pour revenir vers lui. Il nous dit, vous êtes tous perdus sauf ceux qui croient. C'est-à-dire que quand tu ne crois pas, effectivement, tu es non seulement en perdition, mais... Ce qu'il te, qu te réserve à la fin de, la surat, à la fin de, cette, de ce verset 20, c'est Azabun Shadid. Un châtiment terrible. Ou alors, parce que tu as cru, plus le reste qu'on verra, Shallah, et qu'il y aura, une miséricorde d'Allah et sa, sa satisfaction. Donc la foi est indispensable pour espérer traverser ce bas bon monde. Ceux qui pensent à autre chose, à autre chose qui se peuvent se passer de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala et ceux qui pensent dire que la religion, c'est le du peuple, se trompent lourdement. Ce peuple, si Allah a choisi ici si le paradis, la majorité des paradis sont des pauvres, ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres de cœur. C'est toi qui es pauvre. La vraie richesse, a dit le professeur, la vraie richesse, n'est-ce pas, que c'est la richesse du cœur. Ils ont un cœur. Et cette pauvreté les amène vers Allah. Cette pauvreté augmente leur foi. On a eu euh, dimanche dernier Kevin qui s'est converti à l'islam. Qu'est-ce qu'il nous a dit Est-ce que vous pouvez nous per vous, me, me permettre de partager quelque chose avec vous Je me sentais, on m'a dit que j'étais condamné, j'ai une maladie. Ils m'ont donné beaucoup de médicaments, mais pensant qu'il est, est, il est inguérissable. Le soir, je me suis levé, j'ai invoqué Allah. J'ai invoqué Allah, j'ai pleuré, j'ai invoqué Allah. Et le lendemain, je me suis réveillé, guéri. Je ne prends plus de médicaments. Bon, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Allah est témoin. Et on avait des dizaines de frères et de sœurs qui étaient témoins. C'est pas moi qui l'ai raconté, c'est lui qui l'a raconté. Celle qui s'est levée et qui n'a rien, et qui a faim, et qui meurt de faim ou presque, qui rencontre qui, ou qui est SDF, et qui rencontre qui? Quelqu'un qui lui propose à manger, quelqu'un qui lui propose un toit. Tu crois qui est le pauvre parmi vous? C'est pas lui, c'est toi. Parce que tu as des yeux qui ne voient pas. Des yeux peut-être, composés de cônes et de bâtonnets, mais en réalité, ce n'est pas ça qui est aveugle, comme Allah le dit. Allah dit dans la Surah Al-Hajj, 22, verset 46, en fait, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. C'est le cœur qui est dans les soudours, qui est dans les poitrines. Donc, ces gens qui sont éprouvés, et que toi tu crois pauvre et que tu as pitié d'eux, en réalité, Allah les éprouve pour les élever, pour que leur foi augmente. Comme il le promet aux croyants dans la surah 48, 48 hein, afin que leur foi leur donne plus de foi par rapport à leur foi. Parce qu'ils ont besoin d'Allah, ils savent que personne ne peut rien pour eux, soit dans la maladie, soit dans la détresse, soit dans ceci et cela. Ils s'adressent à Allah, Allah se manifeste, manifeste sa miséricorde, il le touche du doigt. Il le touche du doigt. Quant à nous, lisant les livres, écoutant des cours, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être vrai, mais bon, ben on verra. Non, eux, ils le vivent dans leur chair. Ils le vivent dans leur chair. C'est peut-être pour ça que les, les personnes les plus éprouvées ont été les prophètes. Et ensuite, les gens les plus en plus proches d'eux. Donc, Allah, il a la amanu »« Sans foi, fais ce que tu veux. Sans foi, crois ce que tu veux. Sans foi, Allah, bien sûr, il a la Dinah » Allah dit donc qu'il faut rentrer en concurrence pour un paradis qui est plus vaste que le ciel et la terre, qu'Allah a réservé aux gens qui ont cru à Allah et à ses messagers. Puisqu'il faut croire à tous les messagers sans exception dans l'islam. Celui qui ne croit pas à un seul messager ne croit pas à régner tous les messagers. À régner tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala dans la surat, surat 41 verset 17, il a dit, et sa parole est vraie, il a guidé les Samoud et ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Ils ont préféré Allah à guider tout un chacun. Ne pas croire à un seul messager, Allah dans de nombreux versets dit que le peuple de Nouh a démenti les messagers. Le peuple de Had a démenti les messagers. Le peuple de Samoud a démenti les messagers. Ils n'ont démenti que leurs prophètes. Soit Nouh. Soit Houd, soit Saleh. Mais celui qui ne croit pas à un seul prophète, Allah dit, ceux qui font une distinction entre les prophètes, nous croyons à cela et nous ne croyons pas à d'autres, voilà les vrais dénégateurs, voilà les vrais incroyants. Ce n'est pas toi qui choisis. C'est pas un self-service. C'est Allah qui choisit qui il veut et qui l'envoie à qui il veut. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux, celui qui sait. Donc ce Seigneur nous dit, crois... Le paradis a été réservé à qui À ceux qui croient en Allah et à ses messagers, tous, sans exception. Là, nous faisons le qubayn Ahadim On connaît le verset que nous récitons verset 285 de la Sourate al-Baqarah, le, les deux derniers versets qui apportent ce qu'Allah a voulu et qui sont descendus. Et le prophète sallallahu un ange, il était assis un ange est descendu il a descendu ces deux versets qui n'ont été révélés ni dans la Torah, ni dans. L'évangile, ni dans les psaumes. Et celui qui lit ce verset, Allah lui accorde. Je vous renvoie à ce verset 285 et surtout le 286, le dernier la sorte de baqarah où Allah a promis par la bouche de son prophète, celui qui demande Seigneur, nous en veux pas si on se trompe ou si on a oublié jusqu'à la fin des versets. Le prophète a dit que Allah a promis d'accepter ces invocations-là, d'où le conseil bienveillant de ce noble messager alayhi wa sallam, de le lire tous les soirs en se mettant au lit et d'autres le lisent à d'autres occasions également. Donc, ce monde sont perdus dans ce monde-là, sont en perdition même. Ce n'est pas son perdu seulement, puisque quand on est perdu, on peut revenir. Mais ils sont en perdition. Ça, c'est une dégradation continue, c'est une descente sans fin, à moins que Allah te rattrape. La fille khusrin il a à sauf ceux qui croient. Et donc Allah s'est dit, ce monde, il est là, alors concurrencez-vous. Ça, il a marqué la Donc, ça, c'est la foi. Il a donné amanu ou amil comme une fois comme une fois Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets nous dit les gens qui ont cru et manifesté la sincérité de leur croyance par les bonnes œuvres manifester la sincérité de leur croyance par les bonnes œuvres Je suis croyant l'important disait le philosophe c'est pas ce que l'homme dit de sa foi c'est ce que la foi fait de l'homme l'important ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi c'est ce que la foi fait de l'homme moi, je suis... Non, moi, Allah sait que je suis sincère. Moi, je suis... Allah sait que je suis croyant. Allah sait que je suis pieux. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si tu es pieux, on le dira. Si tu es pieux, ça se verra. Ton comportement vis-à-vis -vis avant tout ton Seigneur, vis-à-vis -vis de ton épouse, vis-à-vis -vis de ton époux, vis-à-vis -vis de celui que tu connais, vis-à-vis -vis du musulman, vis-à-vis -vis du non-musulman, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis -vis de toute créature, doit être exemplaire. Parce qu'Allah est juste. Il a interdit l'injustice. Si tu es vraiment pieux, alors très certainement tu as réussi. Mais là, il faut manifester ton, ta soumission, ta foi par les bonnes œuvres. Le cheikh Saadi qu'à la face miséricorde disait la science utile qui est traduite par les œuvres pieuses. Et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre pieuse Une œuvre pieuse, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Qu'est-ce que c'est que la piété Et c'est la meilleure des provisions. Allah dit après avoir invité au Hajj dans la sourate Al-Baqarah, après avoir invité au Hajj, dans le verset 200, dans le verset 196, après avoir invité au Hajj de faire le voyage vers le Hajj, il a dit: wadu, zadi at-taqwa. «Wa Prenez des provisions pour ce voyage. Prenez des provisions. On pense bien entendu un peu de couscous, un peu de, un peu de dattes, un peu d'eau." n'allez pas comme ceux qui sont là en train de vivre, entendre la main aux gens en, en train de tendre la main commander, non la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit à moins qu'Allah t'ait éprouvé par vraiment le dénuement total, autrement ce que tu reçois et qui n'est pas dont tu n'as pas besoin certainement c'est des braises de l'enfer comme l'a dit le professeur Salam que tu ramasses en demandant, en commandant alors que tu n'en as pas besoin et donc, Allah dit, quand vous voyagez, ne partez pas comme ça en disant, écoute, je mets ma confiance en Allah. Mauvaise compréhension, comme certains l'ont. On fait dire, enfin, on fait dire. Omar ibn Khattab Karalagre, le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, si vraiment vous mettiez votre confiance comme il se doit à Allah, vous serez comme ces oiseaux qui quittent leur nid le matin et qui rentrent le, le, le qui quittent leur nid le matin le ventre vide. Ou l'estomac vide et qui rentre le soir l'estomac plein. Ah, ils ont dit voilà, nous on a confiance en Allah, on sort, on voyage et Allah va pourvoir à nos besoins, bien sûr. C'est lui, Al-Razak, Matin. ar razak c'est lui qui pourvoit à tout besoin. Mais les oiseaux, au moins, ils quittent leur nid. Ils quittent leur nid à la recherche de leur subsistance. Et ils reviennent parce qu'ils ont fait confiance en Allah Ils ont été chercher leur subsistance Allah a mis sur leur route leur subsistance Mais il ne s'agit pas de sortir Des missionnaires ou irresponsables En espérant avoir la subsistance Auprès d'autres personnes que d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc prenez votre Prenez vos précautions Mais comme Allah dit Et il nous dit Mais la meilleure des provisions Pour le pèlerinage

عليهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ستتقوا اساس لا vrai provision de ce bas monde c'est quoi c'est cette taqwa c'est cela c'est ce raison pour laquelle Allah nous dit dans le verset 183 de la sourate al-Baqarah kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun le jeûne vous a été prescrit croyants comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Donc cette taqwa, ce livre a été envoyé, guide pour qui Pour les pieux. Précipitez-vous vers le pardon d'Allah, dans la surah 3, verset, 100, verset 313. « De le, votre le, Seigneur »« Le pardon de votre Seigneur Con, »« Concourez rapidement »« Vite » Précipitez-vous vers le pardon de votre Seigneur pour euh, avoir le paradis plus vaste que les cieux et la terre qui a été réservé à qui? Au mutaqoun, au muttaqin, à ceux qui sont pieux. Qu Qu'est-ce que la piété? La piété justement, c'est celle qui est la meilleure provision. Dit, dit Allah pour le voyage, pour le Hajj, comme pour toute chose. Wa zadi taqwa Cette taqwa donc. C'est la meilleure des provisions dans ce bon monde. Et le professeur Allah, nous l'a défini. Il l'a défini. Et après lui, les, ses héritiers ont également défini la taqwa. Et entre, on fait dire à Obay ibn Kaab, qui est un compagnon du professeur on dit qu'Omar ibn Khattab lui a demandé qu'est-ce que c'est que la taqwa. Il a dit, est-ce que tu es déjà passé, Omar, dans un champ miné, on dirait aujourd'hui, dans un champ épiné il a dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait Il dit, j'ai évité que de me faire piquer par des épines. Il dit, c'est ça la ta Dans ce bon monde, comme tu sais que le champ est miné, que y a ton shaitan qui est contre, qui qui veut t'amener en enfer, que tu as des gens qui veulent, qui te veulent du mal, que tu as ton nafs qui ordonne le mal, tu fais attention à ce que tu fais. Mais plus exactement, on fait dire à Talqib al-Habib, c'est peut-être la définition la plus connue de la taqwa. La taqwa, c'est l'obéissance à Allah à partir d'une lumière d'Allah et en espérant son agrément. Et c'est s'éloigner la désobéissance d'Allah à partir d'une lumière d'Allah en craignant son châtiment. Donc ceci, c'est la meilleure provision, Obéissance à Allah parce que tu sais que Allah est le plus miséricordieux. Tu sais que Allah est le seul digne d'adoration et tu connais Allah et donc tu sais qu'il n'a besoin de rien et qu'il est sans égal, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas de compagne, qu'il n'a absolument besoin d'aucune de, de ces créatures et c'est lui qui a tout créé sans besoin et que ce Seigneur Subhanahu wa Ta'ala a révélé, on dit, on dit à partir de la lumière, d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire à partir de la révélation, disent les savants, et en espérant sur sa miséricorde, en espérant sur son paradis. Si tu adores Allah en disant, je n'ai pas besoin de ton paradis, Allah te mettra en affaire. C'est que tu ne crois pas en lui. Tu ne le connais pas en réalité. Et de sa désobéissance et Allah n'a rien interdit que le mal ou le mal l'emporte sur le bien. Il n'a rien ordonné que ce qui te fera de toi un meilleur homme, pour ne pas dire une meilleure femme ou un meilleur, une meilleure créature dont chacun sera satisfait, dont chacun sera à l'abri de tes méfaits parce que nous sommes tous égarés sauf ce que Allah a guidé. Donc la taqwa, c'est l'obéissance à Allah à partir d'une lumière d'Allah, cest la révélation, espérant sa miséricorde. Et c'est s'éloigner de la désobéissance à Allah à partir d'une lumière d'Allah, de la révélation, craignant son châtiment. En d'autres termes, si nous prenons le cas du jeûne, concrètement, on fait dire Ali, le quatrième calife de l'islam, ce noble compagnon du Prophète sallallahu sallam lui fait dire la taqwa, c'est al-hafuminal-djalil, la crainte du, du majestueux. Al-amlebintanzil, Le fait de d'appliquer ce qui a été révélé, ce qui a été révélé pour toi. De garder ce qu'Allah a voulu garder, de le connaître, de l'aimer, de faire du bien autour de toi, c'est ça la taqwa. La taqwa, le fait de se préparer pour demain. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi demain Ce sont les bonnes œuvres. Trois choses accompagnent le, le mort. Deux retournent et une seule reste. A dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois choses accompagnent le mort. Sa famille, ses biens et ses œuvres. Deux retournent, sa famille, ses biens et ne reste que dans sa tombe. Et pour l'accompagner jusqu'à la résurrection, qu'est-ce qui va rester Ses œuvres. C'est pour ça qu'Allah dit oh, Faites vite. S'abîme oh, rentrez en compétition. Pour ce paradis qui sera, Incha'Allah, l'héritage qu'Allah a accordé aux gens qui sont pieux. ou al-ridab khalil Et le fait de se contenter de peu. Et en réalité, c'est ça la vie. Quand tu jeûnes, tu te contentes de peu, tu te contentes de manger peut-être une fois par jour. Tu te prépares avec le jeûne, celui qui jeûne avec foi en Allah et espoir en sa récompense. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde ce qu'il n'a accordé à personne. Il lui pardonne tous ses péchés. Il lui il fait rentrer au paradis par l'une des huit portes qui s'appelle la Rayan. Et sa récompense, c'est lui qui va la lui accorder. Les, le fils d'Adam, toutes ses œuvres lui appartiennent, sauf le jeûne. Et Allah dit le jeûne m'appartient. C'est moi qui vais le récompenser. Et donc, la récompense d'Allah, bien entendu, il n'y a pas de pareil, ni de similaire. Quand tu jeûnes, c'est pour cela. Et donc, dans le jeûne, tu vas retrouver tout ça. Al Si je ne jeûne pas, je désobéis à Allah, Allah promet ce qu'il promet, sa promesse, sa, sa menace est une réalité tanzil parce que Allah t'a donné a ordonné de jeûner. Al donc tu, te, tu prends comme provision les bonnes œuvres et tu ne sauras pas amener le monde entier. La vidité a amené notre père Adam à désobéir à Allah, à aller manger de cet arbre. Le fils d'Adam ne remplit son estomac que la poussière de la tombe comme l'a dit le professeur Allah. avant après avoir dit si tu lui donnes une vallée d'or, il va chercher une autre. Il va convoiter une autre. Une autre vallée d'or ne remplit l'estomac le, du fils d'Adam que la poussière. Donc, Amilu Salihat, c'est tout ce que Allah aime Subhanahu wa ta'ala et agré. Alors, pour que l'œuvre, il a indiqué à son prophète, il a mis dans le cœur, mais il a indiqué à son prophète ce qu'il aime. C'est d'ailleurs une des trois raisons pour lesquelles Allah a envoyé tous ses prophètes pour que l'on sache, c'est que qui il est et qu'est-ce qu'il aime, et quelle est la récompense de ceux qui font ce qu'il aime. Ce qu'il aime, c'est ce qu'il a révélé et il a, dont il a fait l'exemple vivant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes avant lui, à leur peuple. L'exemple vivant, puisque quand il aimait, quand il parlait, il parlait pour Allah. Quand il ordonnait, il ordonnait pour Allah. Quand il saisissait, il saisissait pour Allah. Quand il se taisait, c'est pour méditer, c'est pour se rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il donnait, il donnait pour Allah. Quand il aimait, il aimait pour Allah. Il atteint la perfection, si on peut parler de perfection, pour un être humain. Donc, ce, les bonnes œuvres ne sont acceptées d'Allah, qui se passe de tout, qu'à trois conditions. L'islam. Comme Allah dit, Subhanahu wa Ta'ala, Sourate 3 Al Imran verset 85 c'est qui recherché cherche à se rapprocher d'Allah par une autre voie que l'islam Allah ne l'accepte pas de lui et dans au jour du jugement dernier fait la partie des perdants et al ikhlas deuxième condition que l'œuvre soit dédiée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlasina lahu hunafa sourate 98 al bayyinah verset 5 et Allah dit également le dernier verset, verset 110, la soirée 18. Celui qui croit en la recherche, en la rencontre de son Seigneur, ou celui qui espère, mot à mot, mais en réalité, celui qui croit, qui va rencontrer son Seigneur, alors qu'il fasse une bonne œuvre. Et qui n'associe rien à Allah, on dit la bonne œuvre, c'est le suivi du prophète, c'est la troisième condition, c'est le fait donc. Et qui n'associe rien à Allah, donc c'est

Allah n'accepte pas celui qui prétend l'aimer, qu'il adore par une voix autre que ce qu'il a décrit, il a donné à son prophète, sallallahu alayhi wa Voilà les œuvres pieuses. En dehors de cela, l'œuvre n'est pas pieuse. Et Allah n'a besoin de rien. Et donc par miséricorde, Allah accepte le peu qu'on lui donne, et généralement c'est bien insuffisant pour ne pas dire, comme disait quelqu'un d'autre, c'est le reste qu'on donne à Allah, le reste de son temps, le reste de ceci, le reste de cela. Donc je m'attarder un tout petit peu sur ce point, ce deuxième point. Il a dit à Ammanou, ce qui croit, Ces œuvres. Allah dit, précipitez-vous vers ces œuvres. Dans la surat 18, quand Allah nous décrit, dans le verset 45, dit, frappe-leur la parabole de la vie de ce bas monde, qu'on qu a déjà vu il y a deux épisodes, quand Allah définit le bas monde, il est le seul à savoir ce que c'est et qu'il est éphémère, et que c'est comme l'eau qui descend sur le sol, un sol qui est aride, et les plantes poussent, et ensuite les vents les emportent, ils s'assèchent, et les vents les emportent comme un, un vieillard, et qui va vers sa tombe sûrement. Et après Ali, qu'est-ce qu'il dit Allah elle dit, Al-Malou al, al -banun zinatul dunia, dans le verset 46, Al-Malou al, al -banun, les biens matériels et les enfants ne sont que la beauté de ce beau monde. Wal ce qui reste de pieux, c'est mieux chez ton Seigneur. On parle souvent de les cinq prières, parce que ce, la prière étant le deuxième pilier, le premier pilier matériel, l'œuvre après la foi que Allah aime le plus. ce qui reste après toi. Parmi les bonnes œuvres, c'est mieux chez ton Seigneur en, en, en tant qu'œuvre, en tant que rétribution et en tant qu'espoir de rétribution. Et donc ces œuvres, Allah nous dit de nous précipiter à les faire. Parce que c'est celles qui vont durer, c'est celles qui vont qui nous servir. Et donc, si on va revenir donc, sur ce hadith qu'on a commencé d'Ibn Omar, qu'Allah l'a gré que son père, qui nous a dit soit dans ce bas-monde comme un étranger on est resté dessus la semaine dernière ou un passant un voyageur en fait cette vie c'est un voyage on l'a entamé dès le moment où on est venu dans ce bas-monde et on la finira le moment où on rencontrera l'ange d'amour et donc il dit comme un, comme un voyageur les savants disent un voyageur qu'est-ce qu'il fait il ne va pas s'installer il ne va pas prendre à crédit à la banque ou ailleurs pour construire une maison. Il va pas s'apesantir à une table. Il va prendre ce dont il a besoin. Parce qu'il ne s'installe pas, il ne s'appelle plus l'étranger quand il s'installe. C'est un habitant. Non, c'est un étranger, il est de passage. Il prend juste ce dont il a besoin. Ce dont on a besoin ce sont les bonnes œuvres. C'est tout, c'est cela, il n'y a que ça qui sert au jour du jugement dernier. Et donc Ibn Omar qu'alla qui a bien compris ce que le prophète sallallahu alayhi sallam, le message qu'il a fait passer, il dit Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Quand tu es au matin, a-t-il conseillé à, ces, à, ce, à ceux à qui il a parlé, ainsi qu'à nous, puisque ça nous a été transmis, Allah l'a conservé Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Parce que peut-être que tu ne verras pas le soir. Et je suis sûr qu'un jour, tu ne verras pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Peut-être que tu ne verras pas le lendemain. Comme les gens meurent dans la nuit, comme les gens meurent le jour, ils ne verront ni le, ne, les uns ne verront pas la nuit, d'autres ne verront pas le jour. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort, parce que tu vas mourir. Inna kamayitun wa inna Dit Allah subhanahu wa taala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Tu vois la mort dans la sourate Zumar. Tu vois la mort et les vois la mort également. Prends sur ta vie pour quand, mal, pour, pour, pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Ibn Abbas, euh, Anas ibn Malik, Ana, disait, le professeur Salama a dit, fihi Deux bienfaits qui passent inaperçus ou dont beaucoup de gens ne profitent pas. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Et le prophète, alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, disait Précipitez-vous dans, dans, à faire cette chose. Précipitez-vous avant que vous soyez empêchés de la faire. Il a parlé de la santé avant qu'ils soient malades et qu'ils soient empêchés de faire la chose. Comme les gens dans les hôpitaux ou même chez eux n'arrivent plus à faire ce qu'ils font. Mais Allah est miséricordieux. S'ils si faisaient du bien, Allah demande aux anges d'inscrire ce qu'ils faisaient de bien quand ils étaient en bonne santé. Parce, pourquoi Parce qu'ils savaient que la santé était, est, une, est, est une précieuse valeur donnée. Et donc ils se précipitaient. Et quand, avant qu'ils soient malades, ils ne peuvent plus le faire. Il a dit... La, quand, la jeunesse, avant d'être vieux, avant la vieillesse qui va t'empêcher, la décrépitude, Il y a beaucoup de choses que tu pouvais faire quand tu étais jeune, et que disent que dit le proverbe, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, c'est trop tard. Si tu savais que la vie était courte et que tu allais devenir vieux, tu aurais certainement profité de la vie, profiter de la vie, c'est profiter pour emmagasiner les bonnes œuvres. C'est profiter du temps, profiter de la santé. La vie pour, la, la santé pour quand tu seras malade? La, la jeunesse, pour quand tu seras vieux ou âgé, la richesse, pour, avant d'être pauvre, dépense, dépense ce que tu as, parce que la richesse va te donner l'opportunité de donner à droite, donner à gauche, de rentrer au paradis et d'avoir le pouvoir demain, pouvoir justifier, parce que tu, si tu ne le fais pas demain, tu seras interrogé sur comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Et la richesse, si tu ne dépenses pas, certainement tu vas la laisser à tes héritiers. Comme l'a dit le professeur prophète, qui préfère le bien de ses héritiers à ses biens Ils ont dit mais Personne, il y a Qui de sensé va préférer les biens de ses héritiers Il a dit Le bien de ses héritiers, c'est ce que tu auras laissé. Tu n'auras pas dépensé. Le ton bien, ce qui va te profiter, c'est ce que tu as dépensé. Tu te profiter dans l'au-delà. Il a dit de profiter donc de la vie avant la mort, parce que ça s'arrête, donc on a dit sauf trois choses. Après la mort, la science utile que tu as donnée, un enfant pieux que tu as laissé qui prie pour toi, c'est un investissement que tu fais, c'est une bonne œuvre. La science est également le puits que tu as construit, la mosquée à laquelle tu as, tu as, tu as contribué, le, le, la médersa que tu as construite pour que les gens apprennent la religion, lisent le Coran etc etc ça ça va te profiter sinon tous les là tu as investi effectivement tous les autres Tous tes actes vont s'arrêter en dehors de cela donc c'est un libre quand le et eh, il eh, y a Dajjal Dajjal il a dit allez, salat au salam et Dajjal quelle euh, grande fitna qui va venir contre laquelle le prophète nous a demandé de ne pas Passer le, de ne pas terminer la prière avant de demander protection auprès d'Allah contre lui et contre trois autres choses. Et la mort, bien sûr, quand elle va arriver, que tu vas t'arrêter. Donc le prophète nous a dit de nous précipiter vers le bien. Tu ne sais pas si tu vas voir demain. L'intelligence est celui vraiment qui dépense de son temps parce que le temps ne t'appartient pas. Ce temps était tellement précieux au jeu des gens qui ont compris. Le prophète sallallahu alayhi Il a dit. Allez, l'âge moyen de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. En effet, la communauté du professeur Salam, là où Allah a voulu que les musulmans vivent, en tout cas aujourd'hui, peut-être demain, l'âge moyen est entre 60 et 70 ans. Toi, tu, c'est la longévité, n'est-ce pas, que tu recherches. Vie autant que tu veux, tu vas mourir. Mais l'âge moyen de ma communauté, a dit le professeur Salam, est entre 60 et 70. Lui-même a vécu 103 ans. Abou Bakr a vécu 103 ans. D'autres ont vécu. Moins ou plus. L'imam al -Qaï, Ibn a vécu 60 ans. L'imam euh, euh, al An a vécu, on a vu, 45 ans. Mais Allah les a aimés. Allah les a fait faire des choses qu'il aime. De telle façon qu'ils ont laissé après eux des choses dont nous parlons encore aujourd'hui. Et on espère dont on parlera encore beaucoup plus tard. Quels sont les compagnons du Prophète qui ont vécu plus de 60 ans Et donc. Euh, Mohamed qu'Allah le récompense pour ce qu'il a écrit, Comment vivre plus longtemps, il dit qu'en moyenne, sur ce 60 ans, les 15 premières années, tu les passes dans l'adolescence, dans l'insouciance même on dira, et tu n'es pas responsable. Allah ne te rend pas responsable en tout cas en tant qu'homme. En tant que femme, l'adolescence vient plutôt entre 10 et 12 ans, mais toujours est-il que les 15 premières années, pour un homme en tout cas, tu n'es pas responsable et c'est rarement que tu réalises l'importance du temps. Et donc tu es là en train de perdre ton temps, entre guillemets, tu n'es pas responsable. Allah dit que tu n'es pas complet, donc il ne t'impose pas, tu n'es pas responsable de ce que tu fais. Tu n'es pas responsable de ce que tu fais. À partir de l'âge de la puberté, tu es responsable. Donc ça fait 15 ans moins. Il dit que manger, boire, faire ses besoins, si tu y tu, tu consacres deux heures de ta, de ta journée, ça, ça te fait en réalité deux ans. Deux ans qu'il faut soustraire que tu ne peux pas utiliser en faisant des bonnes actions. On dit d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa quand il sortait des toilettes, vous savez, des toilettes, de ses besoins, quand il finissait ses besoins, il disait « Goufranak », ton pardon. On dit que c'est parce qu'il n'a pas, pendant qu'il était en train de faire ses besoins, il n'a pas pu se rappeler Allah par la langue. Goufranak. Seigneur pardonne nous pardon. ça c'est le... le le repentir des meilleurs. Pardonne-nous de ne pas t'avoir pas remercié comme il se doit et plus, qu plus, qu ne le, plus que nous l'avons fait parce que nous avons été nous avons été des gens qui ont été négligents qui n'ont pas loué comme il, se faut, comme, comme il le fallait. Il te reste hein, 23 ans. Tu enlèves 2 ans, tu enlèves 15 ans, il te reste 23 ans sur, sur 60 ans si Allah te prête vie. Mais il est vrai, comme disait Abu Bakra dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmidhi que quelqu'un a demandé au professeur Salam quels sont les meilleurs. Il dit les meilleurs, c'est ceux qui vivent longtemps et en faisant de bonnes œuvres. Et les pires, c'est ceux qui vivent longtemps en faisant de mauvaises œuvres. Donc, comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, l'intelligence hein, va t'imposer de ne pas passer. Tant soit peu de ne, de, de ne pas le perdre. C'est pour cela qu'ils ne sont vraiment pas raisonnables. Ils ne sont vraiment pas raisonnables. Et tu restes 23 ans. Et 23 ans, si tu n'as pas adoré Allah, 100 Jour et nuit, 7 sur 7. 24 sur 24, c'est impossible. Tu auras passé 20 ans à dormir, que je n'avais pas soustrait, en dormant 8 heures par jour. Tu auras passé 20 ans à dormir, le tiers de ta vie. Il va te rester 23 ans, il faut profiter. On dit que Majd al Din, Abu al-Baraka, c'était le grand-père d'Ibn Taymiyyah, qu'il qu tout de miséricorde. On dit que quand il allait faire ses besoins, il chargeait un de ses élèves de lui lire ce qu'il avait écrit ou un autre savant avait écrit pour qu'il profite, qu'il entende, puisqu'il ne peut pas parler. Quand il fait ses besoins, il ne peut pas parler. Pour qu entende, que son nuit profite de ça, parce que c'est de l'adoration. Voilà des gens qui voulaient pas perdre leur temps. Même pendant ces, ils grattaient même ce temps-là, qui ne représente pas beaucoup de temps, pour ne pas le regretter demain. On regrettera tous une chose. Si Allah nous fait miséricorde, nous fait rentrer au paradis, on va regretter n'avoir pas fait assez de bonnes actions. On ne rentre au paradis qu'à cause de la miséricorde d'Allah, mais en même temps, on ne les gens se partagent ensuite les degrés du paradis en fonction des œuvres. Mais ce ne pas les œuvres qui nous font rentrer, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu rentres au paradis, ton degré sera en fonction de la pureté et de la qualité de tes œuvres que Allah a acceptées, subhanahu wa ta'ala. Et Daoud a taillé, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit qu'il a refusé, il refusait de manger du solide. Il refusait de manger du solide, du liquide. Il ne prenait que du liquide. Sa nourriture, c'était du liquide. Pourquoi Il dit le temps de mâcher. Tout cela, ça peut te permettre de lire combien de centaines de versets du Coran Combien de centaines de versets du Coran, le temps que tu passes à mâcher Ce sont des gens qui ont compris. On fait de la à ben Abdaziz, car elle fasse miséricorde. Hein? Ce temps, il t'use. Le temps, il t'use. La vie et ce temps t'usent. Alors use-les. Use-les dans le bien. Use-les dans le bien. Quand si tu savais que ce qui te reste de la vie, si tu en savais, certainement tu n'aurais pas dormi, tu n'aurais même pas mangé, tu se précipiterais vers le pardon, la demande de pardon de Allah subhanahu wa ta'ala, en t'adonnant à son adoration. Mais cela ne veut pas dire, contrairement à ce que certains peuvent penser, que quand le professeur, dans le hadith de Sahal Ibn Sa'd, a Sa dit on a vu la semaine dernière, qui dit quelqu'un vient lui demander, Ya Rasulallah, conseille-moi. Donne-moi une chose si tu me la donnes, si, tu me la, si je le fais, Allah va m'aimer. C'est ce qu'on cherche. Et les gens vont m'aimer en même temps. C'est ce qu'on espère. Il a dit renonce à ce bas monde. Donc, les gens ayant compris, mal compris, mal compris cela, certains vont se retirer du monde. Le prophète Sallallahu nous a dit le, le croyant qui vit avec les autres, qui supporte leur euh, mauvais côté, entre guillemets, est meilleur que celui qui se retire. Il y en a qui vont dire Non, moi je ne vais pas manger, je ne vais pas beaucoup manger. Beaucoup, j'entends par là, je ne vais pas manger ce que j'aime. Renonce à ce bas bon monde, ça ne veut pas dire de renoncer aux bonnes choses de ce bon monde. Ça veut dire que utilise les à bon escient. C'est-à-dire que renonce à tout ce qui t'éloigne d'Allah. Toutes les futilités, toutes les choses où tu vas dépenser de l'énergie et du temps, tu dois le consacrer à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tu ne le fais pas, tu vas le regretter demain. C'est pour ça que le temps, c'est vraiment la vie. Profiter du temps, c'est vraiment l'homme sensé, la femme sensée, profitera du temps grâce à Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que ces bonnes œuvres, il a dit à salihat ils n'en profiteront vraiment que les gens qui ont compris cela. La foi les a amenés à cela et ils passent le le maximum de leur temps à adorer Allah subhanahu wa taala et cette adoration d'ailleurs mes sœurs et frères les meilleurs d'entre nous ne considèrent pas comme adoration que la prière le jeûne le pèlerinage la omra non ils considèrent comme adoration tout ce qui que l'on fait pour Allah et tout ce qui peut y conduire on va profiter de son nuit en écoutant ce que Allah aime même si tu ne connais pas le Coran écoute du Coran tu n'es pas savant, écoute les, les cours. Ton nuit, ça va faire de l'adoration. Tes yeux, tu vas admirer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime de création. Dans la création des cieux et de la nuit, dans l'alternance des nuits, dans la création des, des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et, des, et, de, et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui ont un cerveau réfléchissent. Allah dit, y a Allah, c'est qui se rappelle Allah, qui est couché. Donc cela fait partie. Tes pieds peuvent participer à l'adoration d'Allah en allant visiter le malade, en allant accompagner le mort, en allant visiter tes proches, le lien de parenté étant sacré. Tes mains participent en donnant. Le Prophète nous a dit, qu'au le matin, toutes les articulations du corps humain doivent à Allah une sadaqa, une œuvre, toutes, Elles seront interrogées si elles ne le font pas. Subhanallah, il dit, est une sadaqa, Alhamdulillah est une sadaqa, La ilahilallah est une sadaqa, Allah Akbar est une sadaqa. Et il a dit dans une autre version, Subhanallah, sadaka, alhamdulillah, sadaka, la ila. Il dit même dans le rapport conjugal, il y a une sadaqa. Ils ont dit, mais comment cela se fait-il C'est nous qui en profitons et en même temps, c'est une bonne œuvre. Il dit, mais si vous le faisiez dans le haram, est-ce que ce ne serait pas une sadaqa Ils ont, Et ce ne serait pas un péché Ils ont dit, oui, bien sûr. Il a dit, donc c'est une sadaqa. Mouaz ibn Jabal, le savant de cette communauté, il s'est appelé devant tous les savants de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier. Mouaz ibn Jabal dit, j'espère de mon sommeil une adoration. C'est quoi Il dit, parce que je me couche, je prends des forces pour pouvoir me lever la nuit, pour pleurer devant mon Seigneur, pour faire le Qiyam J'espère de ce que je mange, une sadaka. Parce que j'ai l'intention, ferme intention, de me renforcer pour pouvoir bien prier, pour pouvoir ne pas, ne, pas, ne pas penser à la faim ou à la soif, quand tu bois, quand tu penses à ça, quand tu manges, quand tu penses à ça. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit Même un sourire à la face de ton frère, est une sadaqa. À la face de ta soeur, c'est une sadaqa. Donner une lokma, une bouchée à ton épouse, c'est une sadaqa. Elle va dire, mais il m'aime bien cet homme. Oui, certainement. Mais moi derrière, c'est pas moi. J'ai dit, l'homme qui le donne et qui pense à Allah grâce à Allah, en même temps, recherche l'agrément d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et ça lui est compté comme une bonne action. Il a sauf les gens qui croient et qui font les bonnes œuvres, qui n'arrêtent pas. Que quand tu as rencontré el Elemout, tu as regretter certainement d'avoir pas assez adoré Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais au moins que tu, que tu n'es pas passé... La partie de ton temps, comme on le fait malheureusement aujourd'hui devant la télé, devant les réseaux sociaux, devant... Et ta langue, n'en parlons pas. Quelqu'un est venu demander au professeur d'Allah, il dit que les choses de l'islam sont très nombreuses à faire. indique-moi une chose à laquelle je vais me tenir. Il a dit que ta langue ne sèche pas. Dans le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce rappel, on ne peut pas en parler, le temps est court. On a déjà fait un live dessus, mais on pourra y revenir chez Allah, puisque sans ce rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est qu y a assimilé, tout le reste est maudit. Donc ce temps, il est précieux, ma soeur. Ce temps, il est crucial, mon frère. Une minute que tu penses. il y a un homme qui disait, ne vois-tu pas que si tu, tu perds une pièce, moi je dirais aujourd'hui, perds 100 euros. Tu as fait ton calcul tu as 25 000, mais il manque... Tu as 24 990. Il te manque 10 euros. Tu dis, mais où est-ce que j'ai mis ça Tu avais 100 euros dans la poche. Tu cherches dans la poche de droite. Rien. Dans la poche de gauche. Dans. Tu fouilles. À l'arrière de ton pantalon. Sous le canapé. Tu vas dire... Inna, wa inna, un homme. Tu vas, mais c'est pas possible. Dans ta prière, tu vas te perturbé mais où est-ce que j'ai pu mettre ces 10 euros Où est-ce que j'ai pu mettre ces 100 euros Ne parlons pas de 1000. Tu perds dans le commerce. Qu'est-ce que j'ai perdu Aujourd'hui dans mon commerce, quand j'ai fait le bilan, j'étais en déficit de 1000 euros. De 10 000 euros. Tu vas faire des insomnies. Et pourtant, quand tu vas te coucher, quand tu vas dire j'ai perdu du temps, bon, mais écoute, hein, je vais essayer de le rattraper peut-être. Hein. Ça, c'est le plus pieux d'entre nous. Tu n'es pas triste qu'un jour, c'est couché et que tu as perdu du temps, tu as perdu la vie, tu as perdu une partie de ta vie. Ibn Qayyim dit Celui qui perd du temps, il a perdu la vie. Celui qui perd maté du matériel, qu'est-ce qu'il a perdu Il a perdu quelque chose que l'on peut retrouver. Il peut racheter, il peut dépenser à nouveau, il peut gagner, il peut être à nouveau riche. Mais le temps perdu ne se rattrape pas, dit le proverbe. Il ne se rattrape pas. Il ne se rattrape pas. C'est pour cela qu'il faut le consacrer. Il faut le consacrer à ce qui est utile, ce qui te sera utile. Je vois que le, le temps passe très très vite, qu'Allah nous le compte néanmoins parmi les bonnes œuvres. Et c'est l'une des meilleures provisions, c'est le temps. Il faut profiter pour faire de bonnes œuvres. Il y a la dîna amanu salihati. Wata wa qui s'enjoignent, parce qu'ils sont ensemble, qui s'enjoignent la vérité. On dit l'islam, mais également ceci montre que tout seul. Comme l'a dit le professeur sallam tu es avec ton shaitan. Deux, ils sont un peu plus éloignés. Et trois, ça, ça devient le groupe. La bonne compagnie. La bonne compagnie, a dit le professeur Salam, de ce que vous savez, c'est comme celle du vendeur de musk. On n'a pas, pas, pas été créé pour vivre seul. On a été créé pour vivre en compagnie. Quand tu es en voyage, hein, si tu as des bons compagnons, le voyage devient agréable. Le voyage devient agréable. Il s'enjoigne, ils se conseille. A dit le prophète, la religion, mais toute la religion, c'est le bon conseil. C'est la loyauté. On dit envers qui Il dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les chefs, de, les responsables des musulmans et le musulman lambda. La bonne compagnie. C'est celle des gens qui te rappellent Allah. Le nous m'a dit, l'exemple le, de la bonne compagnie, c'est l'exemple du vendeur de musc. Tu l'accompagnes. Il est en train toujours de faire, ceux qui ont traversé les aéroports le savent, il est train toujours de te... Il veut te vendre son musc. Là, il te vend le savoir. Tu entends. Il le montre aux gens. Il enseigne. Tu finis par retenir quelque chose. Même le perroquet retient, retient les choses. Il y a des enfants qui sont là en train de jouer, mais en réalité, comme on l'avait ici, Si Mohamed Barakallah fait, ils, ils, ce sont des éponges. Le fait que tu sois là, même si tu ne comprends pas tout, mais il y a des choses qui restent, Alhamdulillah. Au moins tu risques d'avoir l'odeur. Soit ils t'en offrent, Alhamdulillah, ils t'enseignent quelque chose de bien. Soit ça c'est le savant. Soit il t'en vend parce que tu as été cherché, tu apprends quelque chose auprès de lui, au prix d'effort, soit alors au moins tu risques de... Sentir bon parce que ce qu'il a dit reste autour. Ça te revient quelque part. Quand tu veux faire une chose qui n'est pas bien, on te le rappelle. Allah n'aime pas ça. Et si tu te levais pour qu'on fasse ça? Des compagnons du Prophète se rencontraient en disant Et si on faisait une heure des écrans, une heure de rappel entre nous? Je te rappelle, je suis fatigué. Non, viens, on va à la mosquée. Je suis fatigué, viens, on va visiter notre ami hôtel malade. Tout de suite, à deux, Alhamdulillah, Allah vous renforce et vous faites du bien. Et la meilleure des meilleures compagnies, à part celle des savants, celle qui te supporte tout le temps, c'est ton épouse. La bonne épouse, l'épouse pieuse, il n'y a pas d'équivalent. Je le dis, pas pour avoir les faveurs des épouses de nos sœurs que j'aime, parce que le Prophète Sallallahu les a aimées. On a fait aimer au Prophète Sallallahu trois choses dans les femmes. Mais c'est parce qu'elles sont particulières. Il a dit :« Ce monde est éphémère, éphémère. Ce qui contient la meilleure des choses éphémères, c'est l'épouse pieuse. Quand tu la regardes, elle te plaît. Quand tu lui ordonnes, elle t'obéit. Et quand tu es absent, elle garde ce qu'Allah a décrété, elle lui a ordonné de garder. Quand tu veux faire du mal, quand on t'insulte, quand tu es paresseux lève-toi, va à la mosquée. Ah, c'est déjà l'heure. » Fais du bien, tu n'as pas entendu ce qu'elle m'a fait, la belle-mère, le frère, il m'a fait ceci, il m'a fait ça, il dit non, mais c'est pas grave. tu ne te rappelles pas, mon, mon, mon mari, mon cher époux, tu te rappelles pas que a dit dans la surat Fussilat 41, repousse, tiens, repousse le mal par le bien. Tu te rappelles pas que le prophète, quand on a voulu le tuer, ce qu'il a fait, quand on a, lui a demandé de maudire les gens, quelle bénédiction, fais le bien. Tu ne te rappelles pas que le Prophète a dit si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses de leur, de leur faire manger de la cendre chaude. Tu fais du bien et ils te font du mal en retour. Mais ce n'est pas grave. Allah est juste. C'est Allah qui va. Prie pour eux, mon frère. Prie pour eux, mon ami. Prie pour eux, mon mari. Ça, c'est la femme pieuse, ça. Dépense. Ce n'est pas grave. Nous, on peut. On, tu sais qu'on va en profiter, chez Allah au jour du jugement dernier, déjà dans cette vie, parce que tu as prêté Allah. Qui te rappelle ce verset-là Qui donc prête à Allah un beau prêt Ça c'est le voisin, ça c'est le compagnon pieux, ça c'est la compagne pieuse, c'est avec elle que tu restes le plus longtemps. C'est pour ça qu'il faut pas faire un mauvais casting. Il faut qu'Allah nous pardonne si on l'a fait, qu'Allah nous pardonne et il faut essayer de se reformer ensemble, la bonne compagnie. Subhanallah, la bonne compagnie, il n'y a pas mieux. Dans cette vie, parce que tu voyages. Vous allez dans la même direction. Non, toi tu veux aller vers Allah, l'autre te retire. Tu... tu sais que tout le monde a une voiture. Toi tu n'en as pas, tu es le dernier, toi, bon à rien. Tu sais que tout le monde a une maison. Tu es le seul à n'en avoir pas, a... parce que tu ne veux pas faire de crédit. Tu sais que tout le monde fait ceci. Tu sais quand, qu'est-ce que les gens vont dire Quand tu vas être influencé par une compagne qui ne pense qu'à ce bas monde, tu es perdu. Allah, tu es perdu. Tu seras le dernier des derniers, sinon, qu'Allah te fera miséricorde le corps de t'en séparer. Parce que l'objectif, c'est l'autre monde. L'objectif, c'est l'agrément d'Allah. La compagnie elle est extrêmement importante. Celle des savants, elle est la meilleure. Tu les trouves où Là où ils enseignent. Là où les pieux sont, à la mosquée, ou là où les gens se réunissent pour dire du bien. Tes oreilles, tu vas les fermer quand on va médire. Ta langue, tu vas la tenir. Parce que quand tu vas commencer à dire, on va te dire, quelqu'un, ton ami, quelqu'un qui te veut du bien, va te rappeler attention, peut-être qu'on est en train de médire. Il ne va pas te dire non, tu es médisant. Il faudrait peut-être que l'on vérifie ce que l'on entend. Parce que le prophète Salam a dit, il suffit de raconter tout ce que l'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, entre les uns et les autres, dans les mosquées, dans les, dans, dans les, sur les marchés, n'importe où, à la radio, à la télé. Il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour, pour mériter d'être appelé un menteur, a dit le prophète Salam, comme il a dit. La compagnie, elle est extrêmement importante. Elle est importante. C'est l'une des plus belles provisions, la compagnie. Mais ça, Allah, le sabre, on le verra avec euh, la monture. Tu ne vas pas traverser ce monde. Tu ne vas pas le supporter tant que tu n'auras pas cette patience-là. Et Allah aime les patients. Mais ça, on en a déjà parlé. On en parlera la semaine prochaine, si Allah le veut. Et ensuite, ce qu'il te faudra, ma soeur, mon frère, c'est te rappeler souvent à Allah. Les pieux se rappellent à Allah. Les pieux se rappellent le jour du jugement dernier. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, a dit le professeur. Il y a des gens qui aiment faire rire. On aime leur compagnie parce qu'ils font rire. Même parfois en mentant. Alors que le professeur Salam a dit, je garantis le paradis, le milieu du paradis à celui qui abandonne le mensonge, même en plaisantant. Les MDR et les LOL se sont répandus, mais ce n'est pas grave. Il sait quand, quand je le raconte, ils savent que je que je ris. Non, tu rigoles pas. Voilà, si tu savais ce que le professeur savait, tu aurais pleuré, tu aurais pu rire. Si les animaux savaient ce qu'on savait sur ce qui nous attend, vous n'en auriez pas eu de la viande. Il a dit à l'Ésaïe tout ça. Donc le rappel d'Allah sous toutes ses formes. Tout doit te rappeler à Allah. Tout doit te rappeler à Allah. Tu as perdu du temps, mais comment tu vas le rattraper Tu ne peux pas. Tu as perdu la vie Alhamdulillah. peut-être que tu es dans un jardin du paradis. Tu as perdu des biens Tu peux les rattraper. Les gens t'ont dépassé par la quantité de ceci et de cela. Ce n'est pas grand-chose. Parce que ça ne pèse pas lourd dans la balance. Mais tu as fait de l'injustice. Parce qu Allah a voulu que tu te rappelles que tu as fait de l'injustice. Il faut la réparer, il faut la réparer, il faut demander pardon, il faut la réparer. Sinon demain on va puiser dans le peu de bonnes actions que tu as qu'elle a bien voulu accepter du peu que tu lui as donné. La vie est un don d'Allah Il t'a donné. Dit Allah, dans la 16, Allah vous a fait sortir des vents de vos mères et vous ne saviez rien. Il vous a donné, lui, la vue et la foi, ou plutôt le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. Tous ces organes, on sera interrogé dessus. C'est un dépôt que Allah te donne. Comment tu vas l'utiliser Tu vas l'utiliser en te reposant, tu vas l'utiliser en mentant, tu vas l'utiliser en écoutant ce qu'il faut écouter, tu vas l'utiliser en, en volant, en trichant, en faisant ce qu'Allah n'aime pas, mais tu seras responsable de ça. Tu auras perdu, tu fais effectivement partie des gens qui, qui sont la fille Khussur, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala te rachète, te rattrape avant qu'il ne soit trop tard. Et il se peut que tu ne vois pas demain, ni moi d'ailleurs. Il se peut que tu ne passes pas la nuit. Il se peut que tu vois pas demain. C'est que l'on va remettre à demain. Le problème ne dit-il pas qui remet à demain rencontrera malheur en chemin. Moi j'aime beaucoup les proverbes parce que ça part de de réflexions profondes. On a dit si je ne savais si vieillesse pouvait qui remet à demain retrouvera malheur en chemin parce que tu vas remettre à demain tu vas jamais le faire. L'enfer est pavé de dit le Proverbe, de bonnes intentions. Ah non, non, moi j'ai l'intention, j'ai l'intention de bien faire, mais fais-le tant que tu peux. Quand tu es au matin, dit Ibn Omar, n'attends pas, pas le soir, pour bien faire bien sûr. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin, prends sur ta santé ma soeur pour quand tu seras malade. Parce qu'Allah a créé la maladie pour un bien, pour te purger de tes péchés. Et que le malade n'est pas capable de faire ce que l'homme et la femme en bonne santé peuvent faire. Et tu ne diras pas quand tu seras malade, maintenant, oui, si j'avais la santé, j'aurais fait ceci, Allah dit qu'Allah. Certainement pas. Parce que quand tu étais sain de corps, sain d'esprit, à quoi tu passais tes soirées À quoi tu passais tes journées Dans les futilités. Tu n'as pas su pourquoi tu as été créé. Voilà un très beau verset. Les derniers versets de la Surah Al-Mu'minun, Surah 23. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça pour vous amuser ah ben ça, comme ça Et que vous n'allez pas revenir à nous Fatahal Allah, Malikul Haq. Louange. Élevé est-il dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes Le vrai roi, le vrai souverain, Malikul Haq. La ilaha illahou, il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Rabbul Arshil. Karim, le Seigneur du trône glorieux ou du trône généreux, du trône magnifique. On n'a pas été créé en vain, on a été créé pour adorer Allah. « Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin m'adorent. « Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir. Et qui me donne à manger. Allah c'est le miséricordieux. al c'est le pourvoyeur de tout besoin. le détenteur de la force sublime. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala face de notre vie et un tremplin en pour aller vers lui. Les provisions nous ont été données. Allah nous a donné la foi, Alhamdulillah qu'on doit puiser dans la science utile. Il a envoyé des messagers pour nous éduquer. Il a laissé conserver et préserver le livre qui est le Coran, qui contient la Torah, l'Évangile et les Psaumes. Subhanallah, on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Il nous a montré des guides. Il nous a laissé cette science. Il nous a embelli la foi dans nos cœurs. Il nous a fait aimer la foi, et ensuite l'embellir. Il nous a éloignés, il nous a fait détester les mauvaises actions. Et de cela, très certainement, on ne saura jamais le remercier. On ne saura jamais le remercier. Ça, ce sont des provisions, parmi les provisions, ce ne sont pas les seules, dans lesquelles il faut puiser avant qu'il ne soit trop tard. Le crépuscule est déjà arrivé. La fin du monde est proche. Le prophète Salam m'a dit Entre. Entre. La fin du monde. Et ma venue, il n'y a que ça. C'est-à-dire, il a montré le majeur et l'index. Il n'y a que cette distance-là qui, qui sépare. C'est le dernier prophète et le meilleur d'entre eux. S'il est venu, ça veut dire qu'il n'y aura plus de prophète après lui. C'est notre conviction. Celui qui pense le contraire n'est pas musulman. Et sa mort nous rapproche encore plus. On n'attend plus que la fin du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des affres de la fin du monde Il n'y aura pas un seul croyant à la fin du monde Parce qu'ils auront oublié Allah Et c'est vrai que tous les jours qui viennent sont pires Que les jours qui les ont précédés On le vit Les enfants ne le savent peut-être pas Les jeunes n'y croient pas Mais les personnes âgées savent que tous les jours qui viennent sont encore pires Tous les jours que nous avons vécu sont pires que les jours que nous avons déjà vécu tous les jours qui, que nous vivons plutôt sont pires que les jours que nous avons déjà vécu, on le sait. Les gens se contentaient de si peu parce qu'ils étaient heureux, parce qu'ils étaient avec Allah, parce qu'ils croyaient à l'au-delà. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, et dont nous devons rendre compte, très peu de gens sont heureux, sauf les gens qui croient, qui font les bonnes actions, qui s'enjoignent la piété, qui s'enjoignent le bien, qui s'enjoignent le vrai et qui, pour cela, doivent patienter, mais sans le inchallah avant de terminer, donc, je vous remercie encore au nom de l'équipe de la mosquée. Je sais que vous nous suivez beaucoup sur tous les réseaux. Karim nous en rend régulièrement compte. Et qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous aime. Allah nous éduque au travers les uns des autres. Nous formons aujourd'hui, comme vous le dites parfois, dans vos commentaires, une grande famille. C'est vrai. On ne se connaît peut-être pas, à sauf peut-être à travers ce, ce réseau ou d'autres. Rares sont les gens qu'on qu a vraiment rencontrés. Certains au Hajj. Je leur passe le salam pour ceux d'entre eux que j'ai rencontrés Et on est étonné de s'aimer pour Allah Et vos mots nous touchent Vos remerciements On espère que c'est un signe de la satisfaction d'Allah Et si Allah m'a enseigné une chose depuis ces, ces vidéos Ces rencontres virtuelles C'est bien qu'il y a des gens qui aiment Allah Malgré nos mauvais comportements Malgré nos comportements qui ne sont pas exemplaires Malgré notre éloignement d'Allah J'en ai vu, j'en ai lu des gens qui pleurent de leur éloignement d'Allah. Des gens qui apprécient ce qui est dit quand on parle d'Allah. Et bien entendu, des gens qui sont malades quand ils entendent parler d'Allah. Des ennemis d'Allah, on prie pour eux. Comme faisaient les prophètes, en tout cas, ce que nous avons demandé. On prie pour eux. Mais cela n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut avoir le cœur le plus pervers, comme le plus pervers des cœurs. Cela n'enlève rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sa toute puissance et euh, c'est donc ni à sa générosité, ni à sa puissance. Donc en tout cas, qu'Allah vous aime pour euh, l'amour d'Allah qu'il a mis dans votre cœur, qui vous fait aimer les gens que on espère qu Allah aime, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous fasse aussi aimer les œuvres qui nous font mériter l'amour d'Allah. Parce qu'aimer Allah, c'est une chose, mais le plus important, c'est qu'Allah nous aime. Aimer les gens qui aiment Allah, et on sera avec les gens qui qu'on a aimés dans ce bon monde. Donc, on, aimerait, on demande à Allah d'aimer, de nous faire aimer les gens qu'il aime. Et s'il les aime, c'est qu'il va les rapprocher, ou il les a déjà rapprochés dans l'au-delà, et qu'il nous rassemble avec cela. Mais également, on demande à Allah pour terminer, comme le disait le prophète, de nous faire aimer les œuvres qui concourent à son amour. Parce que beaucoup de prétentieux existent. On aime Allah, on aime l'islam, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Qu'est-ce qui t'enchaîne autant pour perdre autant de temps Qu'est-ce qui t'appelle Qu'est-ce qui t'empêche, si ce n'est ton Satan, de répondre à l'appel d'Allah Mais je sais que parmi nous, Alhamdoulilah, qu'Allah nous pardonne nos dépassements et nos erreurs et nos négligences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on ne juge personne, Alhamdoulilah. J'ai rencontré des gens qui, qui pleurent pour leurs péchés, qui, qui se disent qu'ils sont impardonnables parce qu'ils croient en Allah et croient au jour du jour dernier. Mais à les voir, on a tendance à les juger. On leur souhaite certainement le meilleur. On leur souhaite une réforme. Parce qu'un jour viendra, la réforme sera inutile parce qu'il n'y aura pas de réforme. C'est le jour où tu vas rencontrer l'ange de la mort, ne le dis pas, attends que je fasse du bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le meilleur raison par qui Allah nous a guidés, celui qui l'a envoyé comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ses compagnons qui ont donné leur vie et leur personne et leur bien pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. C'est ça le vrai sens de... La lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa bénisse nos savants qui ont donné leur temps, ils passaient des nuits à veiller, des jours à enseigner le bien, qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'Allah le récompense par le meilleur, qu'il nous donne l'amour de ces gens-là pour qu'ils nous rassemblent avec eux et on ne les atteindra sûrement pas à la cheville et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans le bien et dans l'amour qu'on a pour lui et que rien que pour cela.